Je me réjouis de célébrer ici, dans une école d'ingénieurs, l'anniversaire des objectifs de développement durable, qui sont évidemment essentiels pour l'avenir. De façon générale, la transition climatique et écologique va structurer nos vies, structurer nos actions dans les années à venir. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut sortir de la protestation, qui est utile, pour passer enfin à la discussion et au débat public, sur les solutions. Les solutions, elles sont techniques. Bien sûr, elles sont aussi sociales, elles sont aussi sociétales. Et je rêve de mouvements qui se battent, par exemple, pour une vraie politique de rapprochement entre le domicile et le lieu de travail, ou par exemple, un vrai développement des téléphones reconditionnés qui, vous le savez bien, ont un impact sur l'environnement 80% inférieur à un téléphone neuf. Voilà quelques éléments. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout doit être centré aujourd'hui sur les solutions structurantes et pas simplement sur, même si c'est utile, sur l'évolution des comportements ou sur une protestation tout à fait légitime au demeurant.